À l'occasion de la rentrée universitaire 2017-2018, le Consulat général du Royaume du Maroc à Colombes, la Fondation Maison du Maroc et Shaibi Bank ont convenu d'organiser cette soirée symbolique à l'honneur et en hommage des étudiants marocains installés aux Hauts-de-Seine ou à Paris pour poursuivre leurs études universitaires. Maison du Maroc, c'est une cité internationale qui accueille tous les étudiants. On leur a expliqué quels sont les critères pour être accueillis par la Maison du Maroc. Bien évidemment, c'est l'hébergement. Et puis la banque Shaibi Bank leur a expliqué les facilités accordées aux étudiants qui viennent d'arriver, entre autres l'ouverture des comptes, la garantie pour avoir un logement. C'est le gros problème des étudiants. Et puis l'accompagnement bancaire dont ils auront besoin, notamment le transfert d'argent du Maroc en France, parce que les parents doivent aussi subvenir aux besoins de leur enfant. Donc nous sommes arrivés au consulat du Maroc, et bien notre rôle ne paraissait pas aussi important que l'hébergement et la banque, mais nous avons un rôle aussi important que les deux institutions. Notre rôle aussi, on leur a expliqué, il faut d'abord s'immatriculer au consulat. Comme ça, on est connu chez nos autorités de proximité, qui sont les consulats du Maroc. Encore, pour la carte nationale, ils arrivent avec une adresse du Maroc. On leur a expliqué qu'ils doivent changer leur carte en arrivant avec la nouvelle adresse qu'ils vont avoir de résidence en France. Surtout, moi j'ai donné le conseil de prendre soin des titres de voyage, qui sont les passeports, parce qu'une fois perdus, c'est un problème pour les renouveler, ou du moins, il faut garder une copie à la maison si on ne sait jamais, en cas de perte, on aura le numéro, l'ancien numéro du passeport pour pouvoir le renouveler. Je leur ai proposé de faire une visite guidée au consulat, comme ça ils prennent connaissance des différents services et en quoi on peut leur être utile. Je leur ai communiqué les numéros de téléphone, les emails avec le site du consulat, comme ça ils n'ont pas à se déplacer pour demander un renseignement. Ils auront tout par téléphone et une personne sera mise à leur disposition. Ben voilà ce qu'on peut faire. Nous avons organisé de la musique, un petit concert musical à leur honneur, en hommage de nos étudiants, jeunes étudiants marocains qui viennent en France pour la première fois. Et bien évidemment, on a fait venir tout le monde, même les plus anciens. Bonsoir, je suis Madame Ziet, chef d'agence d'agence 4 routes. Je représente aujourd'hui, ce soir, la Banque Shaibi. D'accord. Comme d'habitude, la Banque Shaibi est toujours présente de ce genre d'événement, surtout pour accompagner les étudiants qui viennent d'arriver en France et surtout pour leur faciliter toute démarche d'ouverture de compte, les accompagner pour leur flux au quotidien. L'étudiant, quand il arrive ici en France, il est un petit peu perdu, il ne connaît pas que ce soit les démarches administratives ou les démarches bancaires, où s'installer ou à qui s'adresser. Donc nous, on est là aujourd'hui pour communiquer sur tous ces sujets. D'accord. Et personnellement, je suis là avec mon équipe pour leur expliquer les avantages de nos offres étudiants. Je suis contente, je suis très heureuse de participer à cet événement qui a connu quand même un grand succès et une grande présence, alhamdoulilah. Et j'invite tous les étudiants à s'adresser à moi personnellement sur mon agence à 4 routes 352 avenue d'Argenteuil à Asnières et qui n'hésitent pas de poser leurs questions. On sera à leur écoute et on répondra dans les meilleurs délais. Je suis Ilias, j'ai 21 ans et je suis étudiant en master de gestion des risques financiers. Donc je suis résident ici à la Maison du Maroc et membre du comité. Et on a organisé cet événement avec la Maison du Maroc, avec la direction de la Maison du Maroc. Les invités, Madame la consul du Royaume du Maroc à Colombes et la responsable de Shaibi Bank en France. Ils sont là justement pour faciliter la vie de ces étudiants-là dans ce beau pays et cette belle ville. Je suis Samia Khoumesh, étudiante en master de management de projet.
présidente du comité de la Maison du Maroc pour l'année universitaire 2017-2018. Comme programme, on a un pôle artistique, culturel, sportif, événementiel et développement durable. On remercie Madame la consul du consulat de Colombes, Monsieur le directeur de la Fondation Maison du Maroc, les membres du Chaabi Bank pour organiser cette soirée au profit des étudiants marocains à Paris, pour leur souhaiter la bienvenue.